Projection de Majestic indique deux autres artefacts sur Requiem, comme celui du hangar. Donc, il s'agit de la sortie sur Requiem d'une ligne de sous-espace reliant physiquement l'Infinity à la planète. Bien, en les désactivant, l'Infinity pourrait se libérer. Commandant Palmer, nous vous envoyons les codes de désactivation. Majestic et moi, on s'occupe du premier artefact. Roland, vous envoyez Crimson sur les autres coordonnées. Entendu, commandant. Commandant. Et merde. En alerte, capitaine. Il n'attaque pas, il passe en sous-espace. Ça me plaît pas. Là, on bouge. Capitaine, ce n'est pas nous qui bougeons. C'est Requiem. Les lignes de l'artefact. Elle tire l'Infinity. Trois dans le soleil. S'il faut trouver ces artefacts pour que l'Infinity puisse partir. Alors on se bouge, Spartan. Si on évitait de faire quelque chose, ok? Roland, vous êtes nerveux? Nous nous retrouverons au cœur d'une véritable étoile si Crimson et Majestic échouent. Alors oui, je suis nerveux. Attention, des chasseurs. Vos alliés repérés. Attention, des chasseurs. Quelques véritables disciples resteront ici pendant que le reste des Covenants évacue. Frayez-vous un chemin jusqu'au docteur Glassman. Préparez-vous. Eh bien. Salut à tous, chers amis, c'est Fred. On se retrouve pour la suite du Spartanops avec le tout dernier épisode. Alors, on m'a largué du rocket, ça fait plaisir, parce qu'il y a des chasseurs. Alors, nous sommes sur Requiem, qui est en train de littéralement se barrer dans le soleil car Jendam a activé ce qui semble être une autodestruction ou un truc dans le genre. Donc en tout cas, Requiem commence à s'autodétruire. De toute façon, on le voit, regardez, d'ailleurs le plafond commence à se casser, à être... C'est ça que j'aime bien, au long de cette campagne, on voit que ça commence à se casser un peu, à être endommagé. J'aime bien cet aspect-là. Alors par contre, Requiem, c'est vraiment une planète que j'aimais beaucoup. C'est un peu dommage qu'il l'ait pété. Enfin, les Covenants, évidemment, hein, pas les développeurs. Alors, on se retrouve donc. Je suis évidemment encore en solo, car bon, je vous l'avais dit, j'attendais une personne, mais elle ne m'a pas relancé. Donc c'est pas grave, on fait une petite dédicace à la fin de l'épisode. Alors, dernière semaine de Spartanops, dernière semaine sur Halo 4. Donc j'espère que le week-end a été bon, même si techniquement on s'est vu hier lors d'une petite vidéo sur le teasing infinite des méga constructs. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas le cas. Ça donne des petites infos sur Infinite. En cette absence de 3, c'est pas les infos qui sont à dédaigner. Donc voilà. Donc du coup, Requiem et l'Infinity sont en train de se faire attirer vers le soleil. On va arranger ça. En tout cas, on va essayer. Ça promet d'être un épisode vraiment intéressant, surtout que c'est la fin. Donc, alors, je crois que je peux aller me faire foutre pour mon lance-roquette. Alors, c'est parti. Ça aurait été tellement énorme que le rebond de la grenade le colle.
il y a un bouclier sur le... Ah mon dieu, mais quelle horreur. On dirait le primordial. Mais je suis désolé, hein, mais je peux pas, hein, moi, ce truc-là. Autant le Forerunner, il est réussi, autant le Covenant, même ça, ça ressemble à quoi, ça. Ça, c'est un grognard. Alors je sais que je vise assez à côté, c'est parce que je pense que je bouge un peu trop vite ma manette. Mais c'est pas grave. C'est marrant les grognards de l'E4 comment ils parlent. Alors faut que j'aille... Alors, j'aurais juste un truc. Je me demande par où il sort le rayon. Artefact. Crimson, des modules de largage. Et quoi, les Covenants sont tout seuls, ils les ont abandonnés, ils continuent d'y avoir des vaisseaux. Peut-être qu'il y a un vaisseau qui est resté, qui s'est sacrifié pour assurer que les humains ne puissent pas s'en sortir. Ou est-ce qu'ils les ont lâchement abandonnés, ça ressemblerait bien à Julien Dama, donc je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de monde, hein. Par contre, ce rocher là, il est vraiment... Ce rocher là, là, en rond comme ça, il est vraiment particulier. On dirait qu'il a été designé en forge, regardez. C'est particulier. Après, le reste, c'est à peu près pareil. Non, je chipote, je pense. Alors, faut aller dans le moissonneur, mais il y a un foutu bouclier. J'aimerais bien de prendre une autre arme. Il n'y a rien qui me tente. Je ne vois pas d'autre solution que de faire tomber ce bouclier par la force. Dalton, Crimson aurait besoin d'aide. Entendu. Lance-roquette, laser Spartan. Je crois que l'idée serait un peu plus celle d'un raid aérien. Oh alors, putain. Il y a une batterie de DCA à proximité de Crimson. Mettez votre coucou en stationnaire. On s'occupe du reste. Crimson, allez vers cette batterie. Trouvez un moyen de la détruire. D'accord. C'est pas si simple, hein. Du coup, effectivement, il y a du... Oh, qu'est-ce qu'il y a du monde? Allez. Ça c'est fait. Alors par contre, je sais pas si c'est le fait que... Ouais, c'est un bouclier. Il y en a deux. Module de largage. Merde. Mince, il est bête alors. Bien joué, Roland. Putain, c'était aussi simple. Dalton, est-ce que ces batteries vous empêchent d'envoyer du matériel? Pas du tout. Crimson va recevoir du super matos. Parfait, Crimson. Allez-y à bloc. Les explosions du truc, c'est chaud quand même. Mais alors, deux secondes. Alors, j'ai plutôt tenté... Alors, attendez, j'ai vu des... Je vais prendre ces lance-roquettes, c'est pas grave. Ce que j'ai vu, voilà, ils sont là, les canons anti-incendie, sont... enfin les canons à combustible. Je préfère ça aux roquettes. Voilà.
ma foi. Un jeu d'enfant, n'y a-t-il pas? Cassé. Bien joué, Crimson, deux batteries en moins. Il en reste. Et j'ai que de l'arme lourde. Compris, Dalton. Crimson s'en occupe. Il y en a encore une. Là, ça va être du Prométhéen, non? Je m'en occupe. Ah, il y a du canon combu là. Descendez-les. Et le canon va pas tirer dans le fantôme, non. Ok. Bonjour, messieurs. Par contre, j'ai clairement pas envie de crever à cause de la tourelle du grognard. J'ai trop d'armes pour ça. Bonjour, messieurs. Voilà. C'est bon, bouclier HS. Finissez-moi ça, Crimson. D'accord, donc en fait. Ok, j'ai mis un tir à côté. Batterie détruite. Excellent, Crimson. Retour en moissonneur. Prendre les munes. Bon, j'en ai assez à skip, donc on va y aller. Excusez-moi pour le bruit, j'ai mis un coup dans le micro. Bon, ça, j'ai tendance à oublier que... J'ai tendance à oublier que je sprint. Oh, le bruit. Attends, le rapace aurait dû se le prendre. Wort, wort, wort. Il le faut encore, ça, par contre, hein. Bah du coup, je suis radin, je vais rechercher les munitions que j'ai vues là-haut. C'est vraiment bien foutu ce ciel qui est en train de se casser. C'est un peu triste quand même, Requiem, mais c'était vraiment une belle planète. Regardez-moi ça. Bon, par contre, ça fait vraiment trop incrusté là pour le coup, mais. Il me reste au moins un chargeur si je sais que je viens en manquer. Bon, et si je voulais récupérer le concussion, c'est mort. Bon, est-ce qu'on va avoir du Prométhéen? Ah. Ce truc-là est vraiment... Il a une jolie couleur d'armure, lui. Coucou, toi. C'est quoi? Moissonneur, quelle mocheté. Oui, je vais rechercher le dernier chargeur. Et hors de question que je me prive d'une arme aussi cool. Ça va aller vite. De toute façon, c'est assez court le Spartanops en réalité. Regardez, il est juste là. Il en reste encore. C'est moi ou le canon Ah non, c'est du sang de la Golo. Je crois que c'était... Parce que vous savez, les Prométhéens saignent. Ce qui est assez chelou d'ailleurs. Et je pensais que la tourelle, du coup, là, aussi avait saigné. Bon, allez. Cette fois, je vais pas revenir pour une cartouche de combustible. Rassurez-vous, c'était le dernier voyage. Mais moi, je suis plein. Ce bon vieux roquette. Vraiment dégueulasse. On dirait que ça a une peau, des plis, des os, des... C'est pas une machine, ça. Ah bah finalement, il va m'en ramener. Merci. Tu bosses chez FedEx, toi? Ça dégage. Il reste un commande quelque part. Bon, je vais récupérer le dernier chargeur avant que... Ah voilà.
Dalton, couloir aérien dégagé. Dalton au lieutenant Murphy. Mais non. Vous avez le feu vert. Affirmatif, Infinity. Est-ce qu'on va avoir des vaisseaux? Un pélican. Oh mais je pensais qu'il y allait avoir des broadswords et tout, mais non. Oh non. Ça j'aurais pu le faire au combustible, je suis désolé hein. Bouclier détruit. Crimson, entrez dans le moissonneur et voyez ce que vous pouvez en faire. Je peux rentrer. On va rentrer dans le soleil, j'ai pas envie. Particulier ces pélicans. Oh la vache! Il va vite le truc. J'aimerais bien qu'on puisse piloter un pélican, mais vraiment pas comme dans le 4. Hein. Un truc un peu plus. On dirait une langue avec des papilles gustatives. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec le moissonneur, mon dieu! Vous regardez? Même Lady y regardait les murs en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a des chasseurs. Oh! Spartans, regardez des Spartans! Des scientifiques? Crimson, nettoyez le secteur qu'on puisse évacuer les têtes d'ampoule. Putain! Ils sont dans le. Ah, c'est vraiment bizarre, mais regardez cet aspect! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'y ferai jamais au moissonneur, hein. Le Kraken passe encore finalement à côté. Oh putain, il a pas aimé. Oh, des munitions, ça c'est cool. Non. Cette fois, c'est fini. Il me dit ça à chaque fois en mode. Bon. Est-ce que je respawn dans le moissonneur? C'est toi qui m'as dit en fuir. Ils ont tous les mêmes armures, c'est. Faut que je retrouve mon. Libérez les scientifiques. Alors deux secondes. Non mon roquette. Ils ont pas fait ça. Non, mon roquette. C'est usant, j'avais un roquette en parfait état de marche, bordel. C'est nul. Je suis deg. Bon, après, ceci dit, peut-être que ça va être la fin. Bon, bon. Un de moins. Ah, parce qu'il faut activer les deux. Un super scarab comme dans le Wars. Ça aurait été tellement mieux en vrai. Donne-moi ça les griffes là. Mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est, ça, je me serais attendu à voir ça pour du précurseur, mais vraiment du vrai précurseur. Le précurseur, je me dis que quand on voit la gueule de la temporelle, je me dis ça, ok, ça passe. On sait pas si c'est une machine ou si c'est de l'organique. Non mais là, attendez, ils ont créé un truc organique là, c'est ouf. C'est tellement pas Covenant. Mal au 5 est pas si mal. Hein. Enfin, je sais pas, c'est chaud. Ils essayaient de nous faire réparer le moissonneur, mais l'alimentation est HS. On peut rien faire. Docteur, on va vous faire sortir de là. Ne bougez pas. Crimson, vérifiez l'alimentation. Jamais parce qu'ils demandent à des humains comment réparer un de leurs propres appareils. Mais c'est dire à quel point ce truc là. Mais regardez-moi cette colonne vertébrale, cette vape. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le dirai jamais assez. C'est pas tout prêt. Vous pensez à quoi? Vous emmenez Crimson? Ouais, bien sûr. Spartan, à la zone d'évacuation. Les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. Alors, c'est un petit rien, mais vous l'aurez sûrement remarqué avant moi, mais je trouve ça super stylé. Malgré cette horreur Restez ici et attendez organique. Spartan. On,
Le moissonneur, c'est comme le scarab. Il est animé par des verlecs golos. Et en fait, regardez les verlecs golos, on les voit ici. C'est ouf. Je m'en étais pas aperçu. Ça, c'est des verlecs golos. On a les verlecs golos qui bougent le moissonneur, ils sont là dedans. Mais c'est ouf, je savais qu'il y en avait, mais je les avais pas vus. C'est trop stylé. Ça rehausse un petit peu le truc du moissonneur. Je pourrais regarder ça, les airs, c'est trop stylé. Voilà, donc ça, c'est les vers qui composent les chasseurs. Hein. Qui bougent en plus. C'est pas comme dans Halo, Halo 3 où ils étaient un peu mal dessinés. Bon, c'était Halo 3, hein, ceci dit. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où on les voit. Peut-être dans la salle de tir, on verra bien. Bon, en tout cas, je crois que c'est la fin pour ce Spartan Ops. Bon, en tout cas, c'était sympa de voir ça. Ah, mais il y en a là aussi, on les voit là aussi. Embarqué. Allons-y, Crimson. Roland, qu'est-ce qu'on va chercher exactement? Ça, c'est stylé pour le coup. Alors, sur ce, c'est la fin de ce premier chapitre. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous prenez l'aventure en cours, à regarder le reste du Spartan Ops, voire même le Let's Play Halo 4. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à voir mes plus vieilles vidéos et mes anciens Let's Play, mais les vidéos que vous auriez pu rater jusqu'ici. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si tant est évidemment que mon contenu vous intéresse. Nous sommes à l'aube de la sortie d'un jeu qui va réanimer la licence comme jamais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Donc on se retrouve du coup dès demain pour la suite. Salut à tous !